C'est parti avec les Boys of Dakar pour une chasse avec 5 variétés, dont le pagre à point bleu. Les courants d'eau froide arrivent, c'est la fin de l'hivernage. Cela fait plus d'une minute trente que j'attends. De petites dorades grises arrivent. Et derrière, un beau sarcomin. Je le tire à plus de 3 mètres. Sur le fil, cet individu est presque 1 kg. Apnée plus profonde. Je tape la crosse sur la pierre. Un pagre vient et je tourne tout doucement le fusil. Curieux, il n'a aucune chance. Les petits individus sont plus côtiers et vivent entre sable et roche. Les adultes, eux, peuvent atteindre environ 11 kg. On les pêche souvent sur des roches profondes. Il est présent de l'Angola à la Méditerranée. Écrivez-moi si vous le connaissez. Sur une tête de roche, je fais du bruit. Une carangue hippos passe. Là encore, mon roller est ultra efficace. Je remonte doucement en lui laissant un petit coup de fil. Pape remonte la sacca sous les yeux de Patrice. Je reviens sur la tête de roche. Des petits barracudas sont au-dessus dans l'eau chaude. Un se détache et vient me voir. La précision du roller fait le reste. Je laisse partir 7 mètres de fil par sécurité. Pape sort vite le poisson. Plus loin, sur une coulée, je vois des yards. Ils s'éloignent, puis reviennent. Je vise le plus gros. Là encore, à plus de 3 mètres, le tir est létal. Juste parfait pour le barbecue. Le poisson est très chassé dans cette zone, il faut le surprendre. Un sar vient manger. À 4 mètres, je vise le milieu du poisson. Tir parfait, le poisson remonte dans mes palmes. Nouvelle descente. J'aperçois un pagre. Je vais à gauche et lui à droite. Le poisson hésite avec les grosses roches. La vitesse de la flèche est fatale. J'admire la beauté de ce poisson rose et bleu. Nouvelle apnée. Un yard est très calme. Séché. La pêche côtière dans les roches est bonne aujourd'hui. Sur le chemin du retour, je passe sur une épave. Il m'a semblé voir une ombre à gauche. Un yard arrive pour m'observer. Je vise son ouïe. Ce sera le dernier d'une belle journée et peut-être de la saison. À bientôt!